Salut à tous, c'est le Code et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Big Ambition. Alors, dans l'épisode précédent... Dans l'épisode précédent, on était en train de préparer l'ouverture de notre nouveau magasin, donc qui va être un restaurant, un truc de restauration rapide. Alors mince, je vais déjà dans le mauvais sens. Ouais, clairement, nous, c'est ici qu'on veut aller, ouais, donc j'ai clairement été dans le mauvais sens. Je vous explique, en fait, c'est que je voulais aller à City Ads pour le truc de marketing, mais c'est dimanche, donc c'est fermé, et oui, c'est fermé les week-ends. Ok, bah en attendant, on va éviter le carambolage, et on va avancer un petit peu sur la, on va dire, décoration, mise en place du magasin. Donc j'ai plus beaucoup d'argent, j'ai pas mal acheté, histoire de mettre en place les choses à peu près correctement. Alors, faut qu'on trouve une petite place, alors on va trouver une place pile devant, c'est merveilleux ça. Hop là. Alors, j'ai vu qu'il commence à y avoir quelques petits commentaires intéressants sur Big Ambition. Bon, bah, les habitués hein, qui viennent donner des conseils et compagnie. Et il y a des questions qui se posent sur certaines particularités du jeu. La mise en place surtout de... Le fait de dupliquer les magasins. Je vous ferai une vidéo très rapidement qui sera très courte sur la duplication de magasins. Si ça peut vraiment dépanner, ça sera avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a qui traîne ici? J'ai fait quelques petites courses. Alors, les jardinières, hop là, on va commencer par mettre des petites plantes, là, pour faire de la décoration, augmenter notre score de... C'est quoi, c'est de décoration? Comment ça... c'est pas ça. Et ici... Et ouais, score d'intérieur. Ça ira bien, on fera les murs et tout ça plus tard, quand on aura peu d'argent. Une chaise... Ouais, alors... Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne vis-à-vis de la restauration rapide. Je ne sais pas si c'est nécessaire, vraiment, d'avoir des chaises et de tables. J'ai l'impression que les gens peuvent prendre à emporter. Mais je sais pas, j'ai jamais lu de prérequis là-dessus, c'est assez, assez étonnant. Bah d'ailleurs, hein, c'est simple, hein, si on fait F1 pour avoir toutes les informations, on regarde type d'entreprise, donc nous ce qu'on veut c'est restauration rapide. Donc ça nous dit ce qu'il faut au minimum, donc une caisse et un burger ou compagnie, les différents produits qu'on peut y vendre, les produits secondaires qu'on peut y vendre, donc pommes et bananes qui seront vendus en moindre quantité, et c'est tout. C'est tout, vous voyez les collaborateurs, mais ça nous dit pas qu'il nous faut table et chaise. Donc en soi, c'est pas, ça me semble pas essentiel. Après bon, hein, pour ce genre de commerce, je pense que mettre une petite table et quelques chaises, ça peut être pas trop mal. J'avais quand même dans l'idée de séparer... Alors on va faire comme ça. Non, on va changer, on va adapter les choses différemment. Parce que dans... embête ce carton. Là, allez, viens récupérer ça. Je sais pas pourquoi il a fait le tour comme ça, mais c'est pas grave. On va te poser ici. Et donc, dans l'idée, je voulais mettre... On va regarder si c'est faisable. Comme ça, jardinière, je l'ai posé où? Bon, c'est pas celle-ci. Je voulais voir, est-ce que c'est envisageable de faire comme ça, une séparation? Est-ce qu'on a la place pour mettre une autre table ici? On va disposer petit à petit toutes les choses, hein. Ça sera plus simple. Toi, ici, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Étagère de rangement, c'est parfait, ça c'est très très bien. On va mettre la première là, alors je vérifie juste. Ah, on a même moyen de la caler ici. Ouais, est-ce que ça vaut le coup? Bon, après, faut pas trop se prendre la tête avec ça. En général, les stocks, on va pouvoir gérer assez facilement sans avoir besoin de remplir tout le stockage. Caisse enregistrée, ça c'est important, ça. Ça c'est très important. Ah, j'ai de quoi ouvrir le magasin, ok, c'est considéré comme tout bon. Voilà, donc je rappelle, hein, je me trompe. Vous voyez, hein, il nous faut la capacité d'accueil, je le rappelle, hein, c'est 30 clients à l'heure. Donc avec deux caisses enregistreuses, je suis à 40, il me faut encore un grill industriel. Je crois que j'en ai un qui traîne quelque part. Donc c'est pas ici, ça c'est quoi? C'est des canettes de soda, qu'est-ce qu'on a là? Des burgers, bon, hop, on va les glisser ici. Super. J'ai pas de quoi mettre les canettes de soda, j'ai pas de quoi en faire grand chose, là j'ai pas de frigo. Bon, on va les mettre ici. Ça manque un peu de musique, hein, vous en dites quoi? On va regarder pour la mettre la musique. Est-ce que c'est ici? Est-ce que je peux mettre ça sur les... On peut mettre ça sur les tables, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, on va pas faire ça, on va pas faire ça pour l'instant. On va faire un truc basique. Hop là. Bon, on va te mettre là en attendant, on verra bien après. Dans l'idée, il faudra des petites tables basses ou quelque chose comme ça pour mettre les enceintes, ça sera plus joli. On va juste sortir, hop là, re-rentrer, comme ça, voilà, les diables ont disparu. On y voit un petit peu plus clair. Alors, des chaises, ok. Hop là,
J'ai pas besoin des autres chaises. Alors c'était ça que je voulais tester. Ah, ça me paraît un peu juste là. On va modifier encore ça. Après, là c'est vraiment un début quoi. Si je fais quelque chose... Ah! Ça peut peut-être le faire, ça. Une table là. Une table là. On va mettre la jardinière ici, pour faire une séparation. Puis comme ça, on pourra envisager de remettre des tables ici après. Alors, on va faire comme ça. Maintenant, les différentes chaises. Je sais pas si j'en ai pris assez du tout. Je voulais en mettre 4 par table. Même si dans l'idée on pourra en mettre 6, hein. Bon, je pense que 4 c'est pas mal. Encore une fois, comme j'ai dit, il n'y a pas de prérequis nécessaire en termes de mobilier comme ça dans le magasin, donc je sais pas vraiment. Vous verrez quand ça sera ouvert, il y aura un petit peu de clientèle qui viendra s'asseoir. Mais d'ailleurs, je pense que toute la clientèle vient s'asseoir. Aucune clientèle ne prend emporter. Encore une fois, c'est pas précisé. Voilà, hop, les 4 chaises. Une jardinière en rab. Qu'est-ce que je peux faire de toi? Eh ben écoutez, vous savez quoi? On va la mettre... Est-ce que je peux la mettre ici? Donc ça, ce gros caddie-là, je l'ai récupéré à l'IKEA, et en partant à pied, on peut l'embarquer. Et on peut le conserver si on laisse un carton dessus. Là, normalement, vous voyez, bah, de toute façon, c'est simple, hein. Je sais ce que j'ai fait auparavant, mais... Hop, là, je rentre, hop, et il est encore là. Bon, par contre, comme le diable avait rien dessus, il a disparu. Ça va être la même chose pour le plateau, là. Si j'enlève la jardinière, il disparaîtra. Je vous avoue que c'est assez pratique pour l'instant, on va le conserver. Alors, non défini. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a rien dessus. Alors par contre, ça bouge tout le temps. Comment je fais? Cet élément... Ouais, alors là par contre, on va faire comme ça. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà. On définit les burgers, on en avait dans le stockage, donc ça s'est mis directement dedans. Bon, ça ressemble pas à grand chose pour l'instant. Hein. C'est très très basique. Mais on a de quoi faire tourner le truc. On a un petit peu de stock là. Donc ok, on est plutôt pas mal. Ouvrez la nouvelle entreprise. Alors je pourrais moi-même y travailler. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire. On va juste vérifier le stockage là des cadeaux. Normalement j'ai refait les pleins. Ouais, j'ai refait les pleins, ça tiendra la journée. Donc ce qu'on va faire... Il me reste 5 000 $. On va juste décorer un tout petit peu quand même. Qu'est-ce qui coûte pas cher et qui pourrait être sympathique? Bah ça fait cirque, hein. Ça fait vraiment cirque, non, j'aime pas. Noir et blanc, ça sera pas... Ouais. Ça fait moins cirque, on va dire. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? C'est pas beau, hein. Oh, c'est immonde. Je suis désolé si quelqu'un a décoré comme ça son salon d'intérieur, mais... Non, ces couleurs-là, bah, ça se voit que c'est vraiment les moins chères, parce qu'il y a rien de joli. Ouais, bah, ça me choque un peu moins, on va dire que ça va augmenter ma note, ouais, de 5%, c'est pas ouf, hein. Et on va essayer de trouver un petit sol pas trop laid. C'est très sombre, hein. C'est très très sombre. Est-ce qu'on n'a pas une variante un peu plus claire? C'est moins sombre. Et on passe la note à 40%, c'est plutôt correct. Et ça me coûte combien? Ok, bah j'ai pas assez. Ah, bon, bah, on annule. Bah, il faut quand même qu'on décore un petit peu. Si je veux pouvoir ouvrir un petit peu, faire un peu d'argent... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est le plus important? On est d'accord que c'est le sol, hein, qui a rapporté plus. Ouais, parce qu'il y a plus de carreaux occupés que sur les murs. Et là, j'ai assez. Alors, j'ai pas beaucoup d'argent supplémentaire, mais j'ai assez. Ça monte la note à 35%. Voilà. J'ai pas de quoi prendre une campagne marketing, donc c'est pas grave. On va faire 100. Il faut que j'arrête de cliquer sur tout ça. Hein. Alors, on va juste mettre un planning pour aujourd'hui. On est dimanche. Hop là. Il est 13h49, et bah écoutez, on va ouvrir de 14h à 22h, allez, même jusqu'à 21h, pour éviter que notre personnage meure. Oh, quoique, on a à peu près plein en termes de santé et compagnie. On va juste augmenter les prix aussi. Donc on a dit à peu près 10% sur German District, donc 10%, ça nous ferait du 5,30 à peu près. Alors on va mettre vous savez quoi, même à 5,20, ça nous fait 30 centimes de... Ouais, ça fait à peu près 6-7% d'augmentation du prix, je crois, à peu de choses près. Ça me semble plutôt pas mal, vu les conditions en service client, tarification, intérieur, propreté, ça va pas être ouf. Si on veut éviter d'avoir des problèmes d'insatisfaction, on va faire comme ça. Et puis donc juste le planning pour finir. Allez. Et en espérant que notre personnage puisse bien faire ça. Allez, on est parti. Alors je ne peux accueillir que un client.
Ah, mais non. Bon, on n'ouvre pas. Trop tard. On You n'ouvre got pas, on two n'a pas de sac. businesses now, huh? Alors, tu as deux entreprises maintenant, hein? Ah, je pense que c'est ce que les médias appellent un entrepreneur en série. Excellent travail, je te laisse y retourner, je te rejoins plus tard, gamin. I think that's what the media Ah. calls a serial... Donc là, il veut gérer un bénéfice quotidien de 500 par entreprise. Ok. Bon, on va tenter d'aller chercher des sacs, du coup. Alors, je pourrais aller juste au bout de la rue, là, chez le petit grossiste du coin. Mais ça me coûte pas beaucoup plus cher d'aller au bout là-bas. Par contre, en termes d'argent, on est vraiment très très limite. Là, mais j'ai même pas... Vous voyez, j'ai même pas de quoi recruter les employés. Ouais, c'est vrai que je me suis peut-être mis un peu dans l'embarras, là. Hop là, allez, sac en plastique, ça doit être juste ici. Sac en papier, excusez-moi. Hop là. C'est cher, non? Non, je crois pas que je puisse avoir le. Ben, c'est pas ici. C'est là. Indice des prix à l'exportation. Je vérifie. Frites, carottes, bananes, montres intelligentes. C'est plein de petits produits là que j'aimerais vraiment découvrir assez rapidement. Les téléphones. Ah, j'ai pas l'impression. Les sacs, normalement, ils apparaissent pas ici. Je vérifie. Il y a vraiment beaucoup de trucs électroniques, ça m'intéresse vraiment énormément ça. Par contre, ça doit coûter extrêmement cher. Non. Non, j'ai regardé. Non, non, il n'y a pas les sacs. Alors qu'en vrai, les sacs, il devrait y avoir un indice des prix à l'importation au final. Bah bon, on va partir sur 1000, hein, tant pis. On va faire avec ça, il nous reste tellement peu d'argent. Ok, bon, hop, on va mettre les sacs en place, on va les mettre sur cette caisse-là. C'est celle qu'on va utiliser quoi qu'il arrive. Bah, de toute façon, les conditions ne sont clairement pas réunies pour faire quelque chose de correct aujourd'hui, mais bon, je me dis qu'ouvrir un petit peu, ça peut quand même faire un petit peu d'argent. Alors, avance rapide du temps, on va faire ça un petit peu, juste pour voir si les clients arrivent. Ouais, hop là. Alors, on va arrêter le. Voilà, et puis est-ce que je peux. Non, je peux pas déplacer ça, c'est dommage. Ouais, vous voyez, hein, hop là, le personnage qui va chercher le burger, et comme on vend que ça pour l'instant. C'est assez rapide. Et donc, ouais, les clients hein, viennent s'installer, ils partent pas. Ah, j'ai pas mis de poubelle d'ailleurs. Est-ce que ça a pas posé problème ça? Ah, bah non, il semblerait que non. Je ne trouve pas d'endroit où mettre mes déchets. Ah, bah vous voyez, pareil. C'est pas compris dans les prérequis, mais ça semble être assez important. Ah, bah vous voyez, j'aurais même pas cru. Oui, il repart avec son petit sac, ah, mais il doit être heureux. Elle, ok, elle se pose même pas la question, elle repart avec son doggy bag. Allez, avançons l'heure. À partir du principe que ça fait un petit peu de bénéf. Ok, alors par contre le magasin doit être immonde. Niveau propreté, ça dit quoi? Là, niveau burger. Ah, waouh! Tant que ça. Il y en avait 100, hein. Bon, bah, attendez, on va nettoyer. Ah, je suis à 97. Ok. On va nettoyer du côté des tables. Même si je vois pas très très bien où faut nettoyer. On va nettoyer. Ah, bah, si, mince, je suis con. Enfin, je suis bête. On voit clairement où il faut nettoyer. Voilà. Ok, parfait. Donc là, ouais, on en a vendu ouais, 86 ici. Et 40. Ah, quand même, hein. Quand même. De toute façon, oui, c'est vrai que je suis bête là. Ce qui peut être intéressant, c'est de vérifier les sacs en papier. Vous voyez que le nombre de sacs en papier. On a eu un nombre de clients assez conséquent quand même, hein, malgré tout. En n'ayant pas ouvert beaucoup et en n'étant qu'un seul employé et tout. Enfin, sans marketing et tout, ça reste plutôt raisonnable. Après, à 4 $ le burger, c'est pas non plus la folie. Allez! Hop là, on rentre, on se repose. Et on étudie un petit peu le chiffre d'affaires et compagnie au réveil. Dormons jusqu'à ouais, 7h30, c'est pas mal. Alors, bénéfice 6700, c'est pas mal. Alors normalement, on voit apparaître au-dessus là ouais, 987 de charges et 9600 de chiffre d'affaires. So, did you get a call Hop, from chut, 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 chut. Alors, as-tu reçu un appel de la banque? Ils doivent être choqués de voir ce qui se passe avec ton compte. Ah, comme il grandit. Tu devrais te trouver un appartement plus agréable et t'acheter de très beaux meubles, tu le mérites. Ok. Donc là, l'objectif, ça serait quoi? Acheter un bureau, une chaise, placer le bureau, machin, jouer aux jeux vidéo. Ok, donc là, ça va être la gestion du bonheur. Effectivement, mon bonheur a complètement chuté. Et il est ridiculement bas. Ok. Je pense qu'on va pas essayer d'accomplir cet objectif tout de suite. Parce que ça va nous coûter, je sais pas, dans les 2000, 2500, je pense qu'on a d'autres choses à faire. Donc déjà, ouais, la gestion du bonheur, donc ça va être important pour nous. Si notre personnage a un bonheur insuffisant, il me semble qu'il va être incapable d'accomplir certaines actions. Vitesse de déplacement moindre et compagnie.
Et surtout, notre bonheur peut impacter la productivité de certains employés, qui auront comme prérequis le fait que on soit heureux. C'est tellement beau les employés qui ont besoin que leur patron soit heureux. Très réaliste. Alors, j'avais dans l'idée d'aller à City Ads, déjà, prendre contact avec la société de marketing, comme ça j'aurais plus besoin d'y aller. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre vitesse 100% le temps que j'y arrive. Parce que je pense que ça ouvre à 8h. Bon, après, si ça ouvre pas à 8h, tant pis, hein, si je me suis trompé. Hop là, alors là par contre, le parking, je vais le payer. 8$ de l'heure. Ouais, c'est ça, vous voyez, ça ouvre à 8h, donc j'ai bien fait d'accélérer la vitesse. Allez, 5 minutes. Et là, on va avoir pas mal de choses à faire aujourd'hui. Ah ! Ah, McCoy 2. Oui, ok. Je pensais pas avoir mis des horaires d'ouverture. Sécurité actuelle mauvais. Ah, en plus, il y a la sécurité à mettre aussi dans les fast-food, d'accord. Ouais, ça va pas être évident de le mettre en place, en fait, celui-ci, hein. Quand je pense qu'après on va ouvrir les magasins à une vitesse folle, mais au tout début c'est tellement compliqué. Ok, non, on n'a pas besoin d'annonce pour l'instant, voilà, on a juste besoin... oui, si, c'est bon, je les ai pris en contact, hein, c'est bien ça. City Ads, McCain Marketing, c'est parfait. Par contre, je vais... Oh là, je me trompe dans les trucs, contact. City Workforce, Anderson Recruitment. D'accord, donc j'ai possibilité de recruter avec les deux sociétés. Donc, Anderson. Ah, il me semblait qu'on n'était plus obligé de sélectionner l'entreprise. C'est pas grave. On va commencer donc par service client. On a deux caisses à faire tourner 24 heures sur 24. Ça va, ouais, ça va nous demander pas mal de candidats. On va partir sur... attendez, il faut que je fasse gaffe quand même, parce que ça peut coûter cher, cette histoire. On va partir sur 6 pour commencer, hein, à trouver le plus rapidement possible, donc sur un jour. Super. Ah, j'ai mis temps partiel et plein temps. Ah, ça, ça va me poser problème. J'ai fait une bêtise. On va démarrer une nouvelle campagne, mais ça m'a coûté trop cher pour que je revienne en arrière. Nettoyage. On va prendre 3. Allez, 4 candidats. Ça fait beaucoup. 3 candidats. Et par contre, on ne veut plus de temps partiel. Parce que j'ai vraiment l'impression que sur le 75 mètres carrés, l'employé à temps partiel ne suffit pas. Donc, on m'a dit ouais, dans les commentaires que ça avait été retravaillé les salaires des salariés, mais que c'était pas pour rien. Et je commence à comprendre pourquoi, effectivement. J'ai l'impression qu'il travaille beaucoup moins bien. Voilà, hop, là, non. Super, donc on a lancé la campagne de recrutement, c'est plutôt pas mal. Ouais, il nous faut tellement de choses. D'ailleurs, ouais, vous allez, je suis désolé, hein, mais on va regarder beaucoup les stats et tout, pour savoir comment ça se passe dans nos commerces. Vous voyez, hein, samedi, dimanche, on a fait énormément de clients, 136, semblerait que ce soit le max. Avec encore un pic d'influence, hein, le soir. J'ai pas la quantité de produits qui ont été vendus sur la journée, ça c'est dommage. On va juste regarder les stocks. Ok, donc côté stock, je pense que le magasin de cadeaux, là, ça devrait tenir. J'espère. Basé sur les derniers, vous voyez, hein, sur les 7 derniers jours, les produits les plus vendus, en termes de quantité, on aurait de quoi tenir quelques jours. Je pense que avant le week-end, ça devrait... Ouais, on devrait peut-être faire les pleins avant le week-end, mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il faut qu'on s'occupe de McCoy, sachant que j'ai plus vraiment envie d'aller y travailler, c'est très complexe. Donc ce qu'on va faire, on va venir ici, c'est pas, on va payer un petit peu, et on va aller faire un petit tour au parc pour remonter notre bonheur. Pas essentiel, mais bon. Ça m'évite de payer un ordinateur et compagnie. Ah, déjà, le fait d'être au parc, on voit que le bonheur... Ah, mais le... Ah, attendez, ça a été modifié. Comment on fait? Comment on fait? Bonheur. Promenade dans le parc, plus 30%. Alors par contre, on n'a pas... Vous voyez donc, la gestion du bonheur, c'est vrai que j'en avais pas parlé. Gestion du bonheur, donc en fait, beaucoup de choses qui ont l'impact en positif. En négatif, je crois pas qu'il y ait grand-chose. En positif, donc là, chiffre d'affaires positif, pendant 18 heures, en fait, tous les jours, si on fait du chiffre d'affaires, ce qui est normalement dans la logique des choses, on aura déjà 20% de bonheur. Il faut qu'on arrive à monter au moins à 50%. Donc là, le fait de me promener dans le parc me donne 30%, mais je pense que, comme il n'y a pas de durée, si j'en sors, on va regarder ça tout de suite. Hop. D'accord. Personnel, c'est ça. 7 heures restantes, d'accord. C'est insuffisant, c'est clairement insuffisant. Donc on va venir y faire une petite sieste, histoire de faire passer le temps plus vite. On va tabler sur 2 heures. Là, on était à 7 heures. Donc là, 2 heures qui passent, donc normalement 5 heures de bonus.
Et au final, on est à 3 jours restants pour 2 heures de repos. Bon, là, clairement, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, normalement, si tout se passe bien, on aura 50% de bonheur, ce qui est le minimum, on va dire, ouais, le minimum requis pendant 3 jours. Donc, on est tranquille. Maintenant, il faut qu'on aille faire quelques courses pour que demain, au petit, aux premières lueurs du jour, enfin à 8h du moins, on puisse accueillir nos premiers employés. Alors j'hésite à vous faire des ellipses, ou pas trop, n'hésitez pas à lire dans les commentaires. Si vous voulez un truc plutôt détente et tout, ou si vous voulez que je rush un peu plus. En sachant que le jour où je tourne l'épisode là, il reste plus très longtemps. Véritablement plus longtemps avant la sortie de la branche de test 0.5. Ah mince, ouais, ok, j'étais pas... Ok, d'accord. On va faire le tour, on va éviter les problèmes. Je voulais aller voir les importateurs, pour ceux qui connaissent, vous savez pourquoi. Je pense que je suis encore peut-être un petit peu trop tôt dans la partie. C'est vrai que ça va être assez intéressant de les développer. D'ailleurs, dites-moi à partir de quand vous y allez, vous. J'ai pas trop la notion de savoir est-ce que j'attends le troisième commerce ou quoi. Parce que là, c'est vrai qu'en termes de bénéfices, pour l'instant, c'est pas ouf. Donc, pour ceux qui savent pas, les importateurs, donc ça va nous permettre d'avoir les mêmes produits que je suis en train de prendre là, mais à moins cher. Mais pour cela, il va nous falloir un système de distribution, donc il va nous falloir un entrepôt, un camion avec un livreur, il va nous falloir quelqu'un, un gestionnaire de... Je sais plus comment on appelle ça, gestionnaire d'import en gros. Donc, du coup, ouais, il y a beaucoup de prérequis pour ça. La canette à 25, ça m'intéresse ça. On va en prendre juste une. Ah oui, c'est vrai qu'il me faudra un frigo dans le truc de burger. Hop là. Soit combien les cadeaux là. 915, le prix est un peu plus bas, on va vérifier ça. Market Insider, indice des prix à l'importation. Donc ça doit être quand même dans les 1 et quelques, on va vérifier. Cadeau bon marché, ah 1.5, et cadeau cher 1.2, d'accord, donc en fait non. Regardez, les prix à l'import peuvent monter, enfin 0.6, alors je sais pas exactement si à 0.6 ils ont 60% de la valeur de base à l'achat, mais dans l'idée c'est ça, donc dans l'idée il vaut mieux acheter ces produits là quand leur indice des prix à l'import est faible, donc je vais pas prendre hop là, les cadeaux bon marché, surtout qu'au début on est quand même un petit peu limite. En termes d'argent. Mais par contre, on peut peut-être vérifier pour les burgers. Ouais, ah bah oui, ah non, 1.5. Ouais, bon, burger, c'est pareil. On va pas faire ça. On va prendre juste les petits sacs pour l'instant. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut envisager? On a quoi? On a 4155. C'est pas beaucoup. Je pense qu'on va aller dormir à 14h. J'ai pas envie d'aller acheter les trucs à Ikea, c'est trop cher pour l'instant. J'ai trop peu d'argent, il faut que je fasse encore les campagnes de marketing. Peut-être possiblement relancer encore une campagne de recrutement. Oh là là, circulation qui est infâme. Hop là. Voilà. On va éviter le carambolage. On va se poser, on va faire passer la journée jusqu'à 8h du matin. Pour ceux qui jouent beaucoup, ça va leur rappeler leur journée en endgame, à laisser tourner le jeu. Voilà, super. Allez, on dort jusqu'à 8h, normalement, on devrait avoir des propositions. 7h40, on a laissé la vitesse à 100%. Je sais plus. Alors, en termes de bénéf, 4100, c'est normal, c'est le lundi, c'est pas grand chose. Je dois être à vitesse 100%, hein. Ça défile vite, ouais, ça défile vite, ok. Bisman, encore une fois, on va juste vérifier. Plus de 100 clients sur la journée du lundi, c'est quand même plutôt raisonnable. 0 à 3h, ouais, je suis toujours pas ouvert, hein, c'est ça? Ouais, je suis toujours pas ouvert. Et par contre, si on regarde aperçu, propreté 85%. Vous voyez, sur le 75 m², mon temps partiel, là, c'est vraiment trop juste. C'est vraiment trop juste. Alors peut-être que je l'ai mal placé sur les horaires, je suis même pas certain. Non, il faudrait que je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Non, je peux pas faire mieux avec un temps partiel, malheureusement. Je suis obligé de le laisser comme ça, ou alors réduire les horaires d'ouverture, les jours d'ouverture et tout ça. Mais c'est pas évident. Mais ouais, les balayeurs temps partiel, c'est plus ouais, c'est plus trop ça. Hein. On mange, on se met en état. On devrait pas tarder à recevoir les candidatures. On devrait pas tarder. Ah, on a reçu déjà les candidatures. Pourquoi j'ai un petit point? Service client temps partiel, expire dans 7 jours. C'est quoi? Je viens de la recevoir à l'instant là? C'est bizarre ça. On va attendre un petit peu. Mais d'où vient cette notif là? Je l'avais pas la notif. Ça me dit rien du tout. Mais par contre, en soi, je me demande si je devrais pas la mettre en place temps partiel. On va attendre, on va attendre, on va attendre. Mais je suis très surpris là. Pourquoi j'ai pas de candidature supplémentaire? Vos voitures, vous voyez, hein, l'essence et la structure de la voiture qui commence à chuter. Faut que je fasse gaffe. Bon bah, c'est fini. Ça va, j'ai pas pris de dégâts. Hop là. Voilà, on va faire ça. On va emmener les petits... les sacs en papier. C'est pas très très beau encore. On va... C'est pas nécessaire de rajouter des choses au final. Là, en gros, ça pourrait tourner comme ça. Suffirait juste que je décore un petit peu plus. Mais bon, je ne serais pas satisfait si je rajoutais pas au moins 4 tables. Avec donc les chaises associées. Et puis, ouais, mettre les enceintes sur les petits murets. Enfin, sur des petites tables. Puis, dans l'idée, peut-être ne pas se contenter de vendre que des burgers aussi. Hein. Pourquoi j'ai toujours pas de candidature là? Elle me dérange cette notif là. J'ai toujours la notif. Pourquoi j'ai toujours la notif? Qu'est-ce qui se passe? Je vérifie. Uniforme, uniforme, uniforme. Ok. Leurs besoins sont remplis. C'est très étonnant. On va récupérer des sacs. C'est bizarre que j'ai toujours pas reçu de candidature. Il semblait que c'était à peu de choses près, 24 heures après l'appel. Là, on va mettre ici. Est-ce qu'on pourrait pas envisager de mettre un frigo? Ça c'est envisageable de l'acheter tout de suite. Un suffirait peut-être pas, mais j'ai pas les moyens d'acheter beaucoup plus de choses. Est-ce que c'est en face? Oui, c'est ça, Pedersen. En attendant de recevoir nos candidats. Et attention aux piétons. On va prendre ça, on va vérifier. Grille industrielle, j'ai déjà pour les burgers. Ah mais les frigos se trouvent pas ici en fait, ils se trouvent chez l'autre commerçant. Ah par contre on peut peut-être augmenter la... Oh attendez. Supermarché, 0% de réduction. Étagère pour vos stockages. Boîte de nuit, nouveaux produits. J'avais jamais fait gaffe à ces petits trucs dessous. Boutique de mode pour la mode. Ah non mais c'est juste des petites phrases. C'est juste pour... Quand je voyais supermarché, 0% de réduction, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose là-dessus. Alors, on m'a dit que les panneaux de sécurité, c'était juste de la déco. Par contre, ceux-là, on va les prendre en espérant que ça suffise. Par contre, donc, j'ai pas mon frigo hein, que je souhaitais. On va le chercher après. Ah! Maintenant, j'ai d'autres notifs. Mais c'est bizarre, il me semblait qu'on recevait un appel nous disant qu'on avait des candidats. Et pourquoi là, ils arrivent au compte-gouttes? Alors que la dernière fois, ils étaient tous arrivés en même temps. Bien entendu, comme j'avais mal réglé le truc, j'ai beaucoup de temps partiel qui sont proposés. Temps partiel. Ah oui, que des temps partiels en fait. Oh non. J'ai payé 3000 balles pour, pour des temps partiels dont je ne veux pas, quoi. Alors, on va tenter déjà de placer ça pour voir ce que ça dit vis-à-vis de la sécurité. Pourquoi ça marche? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi il y a la petite notif là? Alors, qu'est-ce qui va pas là-dessus? On va le mettre ici. Qu'est-ce que ça dit niveau de sécurité? Ça dit que comme on est fermé, on ne peut pas avoir l'information. Mais ça, c'est chiant, ça. Bon, on va laisser comme ça. Toujours 3 notifs. C'est très, très étonnant. Bon, on va aller chercher le petit frigo. Désolé, hein, cet épisode va être... Peut-être pas très passionnant, hein. On va juste mettre en place ce magasin-là.
prochain épisode, on remplira l'objectif de Fred très rapidement. Je pense que j'irai acheter. Hop là. Non, bah, je peux pas me permettre de faire comme ça. Je pense que j'irai acheter ça hors vidéo et puis on les mettra en place durant le prochain épisode pour aller très très vite. Voilà. On va tenter d'acheter donc. On avait dit un petit frigo à boissons. Là, j'ai même pas fait gaffe combien de boissons pouvait contenir un frigo. C'est bien ici qu'on les achète. 875, aïe. Ah ouais, oui, les candidats arrivent au compte-gouttes. Très étonnant. Allez. On va regarder, est-ce que le nouveau candidat m'intéresse? C'est que les temps partiels. Là j'ai peur d'avoir payé 3000 pour pas grand chose. Alors en soi, temps partiel, on peut en prendre deux et ça fait un temps plein. Mais plus on a d'employés, plus ça va nous coûter cher plus tard. Et plus ils ont des contraintes, des exigences. Donc je pense que limiter le nombre d'employés peut être une bonne chose. Vraiment les temps partiels, c'est vraiment pour combler les peu d'horaires. Vous voyez sur le magasin de souvenirs, par exemple, les trois petites heures là. Qui ne sont pas ouvertes, là je pourrais mettre un temps partiel. Et pour l'instant c'est pas mon objectif. Alors est-ce que j'ai possibilité de mettre ça sans que ça dérange de trop? Ça a l'air d'aller. Hop là et là. Comme ça. Alors il y en a combien? C'est 120 par frigo. Je crois que c'était 60 avant. Hein. Ok. Bon comme ça dans notre commerce on va pouvoir vendre des burgers et des boissons. Ça va augmenter un petit peu. Le revenu, quand on sera ouvert, quand on arrivera à ouvrir. Il y a beaucoup de... Alors, dans le prix qu'on met, qu'on applique, donc il y a bien entendu les 10% de Garment District, quand ici on est tout bon. D'ailleurs, on est pas mal. Mais il y a aussi à prendre en compte la demande, principalement, et le nombre de fournisseurs. Et quand je vois que pour les canettes de soda, il y en a 23, les vendre plus cher que les concurrents, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. On va laisser à 3, c'est pas très grave. Ça fera toujours un petit peu de chiffre. Après, le burger, à peine plus cher que la canette, c'est choquant. Allez, on rentre. Bah, on n'a pas grand chose d'autre à faire pour l'instant. Plus beaucoup d'argent, donc on va le conserver. Je pense qu'on va, faire 2-3 petites courses. Il me semble qu'il y a un magasin voilà, de fruits et légumes juste ici. On va s'acheter quelques bananes. On a encore un nouveau candidat qui vient d'arriver. On va regarder sa candidature après. Hein. Tu veux pas des bananes? Voilà. Super. Voilà, hop, on met ça au frigo. On se nourrit un tout petit peu. On va dormir quelques heures, brièvement. Quoique, on va regarder. Alors, caisse enregistreuse... Ah non, c'est des... Oui, c'est pas... Ok, on a un plein temps, un service client à plein temps. D'accord. Donc lui m'intéresse particulièrement. Je vais virer déjà, parce que les notifs, ça m'énerve. Donc on va virer les temps partiels les moins intéressants. On va virer. Ne pas les embaucher, en fait. Hop là, voilà, on les dégage de nos candidats potentiels. Les deux temps partiels là, je vais les conserver tout simplement parce que bah, pour le magasin de souvenirs, je vais en avoir besoin d'un. Et puis peut-être que pour l'autre, j'en aurai besoin aussi. Non, j'étais en train de réfléchir, je me dis c'est bizarre, j'ai pas reçu de nouvelles pour les balayeurs. On va laisser passer. Voilà. Ah, peut-être qu'on reçoit les messages seulement quand on dort, qu'on est inactif. Qu'est-ce que ça dit? Nous avons terminé la session, tous les candidats ont été enregistrés dans votre appli. Ok. Ok, donc là, ça y est, on a tout le monde. Alors, on va les trier par nettoyage plein temps. C'est magnifique. Alors là, c'est magnifique. Ce qu'on va faire, on va recruter les deux là. Je peux leur signer. Voilà, non attribué. Parfait. On va les recruter les deux. Embaucher. Que je dise pas de bêtises. Toi, expire dans 7 jours en vrai. Alors, malheureusement, il a une compétence principale qui est un peu faible. Et ça va me coûter plus cher de le former. Que d'en recruter un meilleur, donc on va le dégager lui. Donc déjà on va gérer déjà les employés. Hop là,
Donc, station de nettoyage, comment ça se passe? Ici, voilà, les deux sont attribués. Ce qu'on va faire, on va prendre lui. Alors, le salaire est vraiment bas, hein, c'est cool. On va lui mettre un uniforme, ça sera fait. Sa seule requête pour l'instant, c'est d'être à plein temps. Et t'en fais pas, mon ami, tu le seras. On va juste le former. Et lorsqu'il sera formé, lui ou Israël Evers, hein, on verra, on remplacera Leslie Bragg, qui est à temps partiel. Ah, par contre, sa compétence principale est très élevée, c'est dommage. On va devoir se séparer d'elle. Mais temps partiel ne m'arrange vraiment pas. Toi, du coup, on va faire pareil, on va te conserver, mon ami. Mais par contre, on va te former aussi. Voilà. Parfait. Donc 25 heures restantes, vous voyez, hein, donc le temps de formation, c'est vraiment jusqu'au lendemain 17 h. Et dans les candidats, qu'est-ce qu'on a? Temps partiel, plein temps. Donc on a enfin un premier candidat. Ouais, c'est ça, premier candidat. On va te prendre 42%, c'est pas mal du tout. On va attendre parce qu'en fait, j'aimerais, vu qu'on a deux caisses à faire tourner, il vaut mieux que je les recrute en même temps. Il a 42% de compétences principales, ça sera suffisant pour l'instant. Donc on va juste relancer une campagne de recrutement s'ils ne sont pas fermés. Non, ils ferment à 17 h, donc c'est parfait. Démarrer une nouvelle campagne. Est-ce que j'ai suffisamment d'argent? 5 300, ça devrait pouvoir coller. Hop là, donc on n'a plus besoin d'agents de nettoyage, on a besoin de service client pour l'instant. Et j'ai pile ce qu'il faut, enfin pile, à 341 dollars près, pour prendre le maximum de candidats. Et on va retirer temps partiel. Et comme ça, on aura une liste. Ouais, on va faire comme ça, on va faire comme ça, c'est parfait. Bon, on ne peut plus faire grand-chose pour l'instant. Ah, c'est vraiment gênant cette notification-là. Est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose avec ça? Non. Je suis obligé de conserver la notif? Ah, c'est bizarre. Ok, bon, bah écoutez, on va dormir jusqu'au lendemain matin, parce qu'on n'a plus grand-chose à faire. Hop là, peut-être un petit peu plus. Allez. Fait une très très grosse nuit, hein. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi on a reçu un nouveau message? On a reçu déjà des candidats tout de suite, c'est incroyable. Nous avons terminé session. Ouais, il nous manquait encore des candidats qui n'étaient pas proposés. Attendez, ouais, candidat, service client, service client, service client, service client. Ouais, bah ça m'intéresse pas au final. Donc on avait, ouais, donc je crois qu'il m'a proposé Natacha en plus. Du coup, on avait dit, on a deux magasins, on va conserver au cas où deux temps partiel. Donc on va se séparer de Curtis Kane qui est un petit peu moins intéressant. Alors je vérifie juste les salaires. Ouais, pour 1 $. Ok. Donc là, on est en attente de nouveaux candidats. On a un tout petit peu d'argent. On va peut-être envisager. Alors regardons un petit peu les stocks. 300, 442, 108. Ah ouais, ça commence à être un peu juste, hein. On va vérifier les prix du coup. Indice des prix à l'importation. Hop là. Il faut les trouver désormais. De toute façon, je suis passé devant sans les voir. Les vêtements, hot dog, fleurs, bijoux, fleurs, cadeaux chers, cadeaux bon marché. Ah, c'est toujours. Les burgers ont encore augmenté. Aïe, 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 aïe. Bah non, hein, on va espérer que la journée se passe bien et qu'on n'ait pas besoin de racheter. Et donc, à ce compte-là, qu'est-ce qu'on peut envisager? Est-ce qu'on rachète du mobilier? Pour je vais dire la sandwicherie, ce sera plus simple. J'ai du mal à dire pour la de restauration rapide. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je devrais pas conserver de l'argent pour réparer ma voiture aussi? Vous savez quoi? On va faire même plus simple. On va aller à Ikea. On va aller à Ikea et on va faire ce que veut le Fred. Ça sera fait. Ça sera fait. On va espérer avoir tout ce qu'il nous faut pour mettre en place la sandwicherie. Alors, malheureusement, ça ouvre à 10 h, donc on va devoir dormir un petit peu. Voilà. Donc pour l'instant, en fait, la vitesse à 100%, ça me convient parfaitement. Hop là. Allez. Donc, qu'est-ce qu'il veut, l'oncle Fred? Il veut un bureau, une chaise et un ordinateur. T'es cher cette histoire. Alors, où est-ce que ça se trouve? C'est étonnant qu'il n'y ait pas de musique dans ce magasin, j'avais jamais fait gaffe. On va peut-être pas prendre ce méga bureau là. On va plutôt prendre le petit, hein. Un bureau standard.
Qu'est-ce que c'est comme ordinateur? PC gamer d'entrée de gamme. Est-ce que c'est pas ce qu'il nous demande, hein? Il nous demande un ordinateur. Entrée de gamme, 1 500 $ En soi, eux, ouais, vous savez quoi, on va prendre ça. Je suis pas sûr que ça impacte grand-chose de prendre un PC gamer ou un PC comme ça. Ils veulent une chaise. On va peut-être pas prendre une chaise polyvalente. Alors, on va faire le radin. On va se prendre la chaise standard à 100 balles. Ça fait une sacrée économie. Voilà. On va payer 1 800 au lieu de s'en sortir pour 3 500. Ce sera plutôt pas mal, hein. En espérant que ça remplisse bien les objectifs de Fred. On va le savoir tout de suite, de toute façon. Ouais, super. On va mettre ça en place. Hop là, normalement, le temps qu'on arrive et tout, on va avoir le temps de recevoir des candidatures. Allez. Hop là. Direction la maison. J'ai assez hâte, normalement, après ce commerce-là. Devrait être un petit peu plus libre. Et je vous avoue que la liberté, ça me donne envie. J'ai vraiment envie de tester, ben, je pense, le coiffeur en premier. Ça devrait être un des commerces les moins chers à mettre en place dans les nouveautés. Et la boîte de nuit, mais la boîte de nuit, à mon avis, ouais, ça va coûter bonbon. Après, encore une fois, on regardera vis-à-vis de la concurrence, ce qui est le plus intéressant à mettre en place, je pense que les bijouteries en soi, peut-être une chose importante à mettre en place aussi. Ça coûte cher à se mettre en place, mais ça rapporte énormément. Ordinateur. C'est bizarre. Du coup, je sais pas à quoi sert le PC gamer. Le PC gamer, je sais plus comment il l'appelle. Entrée de gamme. Puisqu'au final, on n'en a pas besoin. À moins que le bonheur attribué soit moindre, donnera un boost de bonheur de 25% pendant 3 heures. Si j'y pense, on essaiera au prochain, enfin dès que j'ai un peu d'argent, de prendre l'autre PC, voire les autres PC, je sais plus combien il y en a, et de voir combien de bonheur ça apporte, pour comparer. Ils disent 1 heure, on a le temps, on va jouer 2 heures, c'est bien de jouer sur PC. Hop là. Donc là, on est à 25%, et pendant combien de temps, je me rappelle plus déjà. 14 heures, ah mais c'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Ok, alors j'espère que vous vous amusez, hein. Voilà toute l'histoire. Et en parlant de cela, je suppose que vous commencez à vous ennuyer à empiler manuellement ces étagères dans vos magasins, n'est-ce pas? Eh bien, vous devriez rendre visite au gérant dans l'un des magasins de gros. Je suis sûr qu'ils peuvent aussi assurer les livraisons. Ah! Alors, achetez une étagère de rangement, placez l'étagère de rangement dans votre boutique de souvenirs. Donc ça a été fait. Préparez un contrat de livraison pour votre boutique de souvenirs avec NY Distro. Ah, c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là. Configurez le contrat de livraison pour qu'il livre au moins une boîte de souvenirs bon marché par semaine. Ah, c'est pas bête ça. Mais donc, dans l'idée, est-ce que j'ai pas possibilité de les contacter? Je les ai pas là, hein. Je les ai pas là, dans mes contacts. Ah, et ce système-là, c'est vrai que c'est un système. Oui. Il est temporaire, mais il est pratique. Déjà, putain, je peux le supprimer. On va faire ça. C'est vrai qu'en attendant, au lieu de faire les livraisons moi-même. Ça peut être une... Je suis complètement zappé ça. Après, on passe tellement vite à l'étape supérieure. Et pas. Ah, par contre, le souci. Bon, on va le faire quand même. On va le faire quand même parce que bah, sur la vidéo. Mais je vois un souci à ce système-là. C'est comme cela. Et nous, celui qu'on veut voir là, c'est celui qui est sur son bureau là. Hop là. Bureau direction gauche. Bureau direction gauche. Ah oui, ok. Bon, voilà, on va venir là. Très bien. Commencer le contrat. Donc on veut qu'il nous livre des cadeaux. Voilà. Boîte max. Donc frais de livraison, 400 $. Ça fait mal. Ça fait quand même très très mal. On va le faire parce que c'est le tuto, mais. Donc, désormais, on peut paramétrer le jour qu'on souhaite. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire tous les jours qu'on souhaite, j'imagine. Je ne me rappelle plus. Donc là, on est quoi? On est mercredi, on veut qu'il nous livre bah, jeudi, ce serait bien. Frais de livraison, 400, limite 20 boîtes. Non, on veut pas de bière. Nous, ce qu'on veut, c'est des cadeaux bon marché. C'est ce qu'il nous demande. Hein.
Donc vous voyez le prix là, 965,52. Je vais regarder s'il y a les cadeaux chers. 1112. Et donc c'est le prix du jour, le prix actuel avec l'indice d'apport du jour. Et donc du coup, si je programme des livraisons maintenant, aujourd'hui, c'est avec le cours du jour qui est très élevé. Donc ce n'est pas forcément une très bonne solution. Voilà, on va juste faire ça pour le tuto. D'ailleurs, vous savez quoi? On va annuler le contrat. C'est bon, ok. Well, let's get back to your business Ah, again. ça s'emballe, ça s'emballe. Donc, ah bon, bah, ils veulent vraiment pas que je le fasse. Hein. Je suis désolé, j'espère que vous avez eu le temps de regarder ce que voulait l'oncle Fred. Moi, je sais plus ce qu'il voulait. Donc, effectivement, on a la possibilité de mettre en place le service de livraison plutôt que de venir faire les choses manuellement. Ça peut être intéressant quand on a plusieurs commerces et qu'on n'a pas que ça à faire. Hey, make sure. Hey, Le kid, you gotta come see. Souci, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, c'est trop cher. Là, actuellement, pour la journée d'aujourd'hui, c'est trop cher. Donc, je verrai pour mettre ça en place peut-être au prochain épisode, mais on va se rapprocher très rapidement de la solution finale d'import qui est vachement plus intéressante. Qu'est-ce que veut l'oncle Fred? Eh, bonjour, tu dois venir me voir ma nouvelle ville là, à Marbella. Marbella qui est annoncée dans le futur DLC, il me semble. Hein. On boira de la sangria ensemble un de ces jours, c'est incroyable. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de voir que tu as compris comment augmenter tes profits. La prochaine étape consiste à éliminer l'intermédiaire, le grossiste. Nous devons commencer à importer nos produits nous-mêmes. Et là, ça peut devenir intéressant. Donc, on nous demande de louer un petit immeuble de bureau, ouvrir un siège social. Par contre, j'ai encore pas mis en place le deuxième commerce, donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite. On va essayer. Bon, peut-être que cet épisode sera un peu long, c'est pas très grave, vous m'en voudrez pas, vous le regarderez en plusieurs fois. On va essayer de voir quand même pour mettre en place. Alors. Compétences principales, service client. Ok, on a tout le monde. On a tout le monde. Donc les services clients. Ok, on n'a que du service client. Donc on va prendre les derniers. 13$, 14$. Bah, l'écart est pas. Alors c'est sûr que oui, entre celui à 10$ à l'heure et celui à 14, il y a 40% de salaire en plus. Mais ça reste très raisonnable quand même. Donc on va prendre Bobby Lennox. On va en prendre déjà deux. Est-ce qu'on en a un qui est pas trop cher? Ouais, non, mais. D'ailleurs, est-ce qu'il a des contraintes? Pas d'horaire de nuit, ok. Bobby Lennox, on va essayer de convenir là-dessus. Bon, vous savez quoi, on va partir du principe que les salaires, on va pas trop regarder, on va pas être trop exigeant. Peut-être qu'on fera de la micro-gestion plus tard. Mais pour l'instant, on va se prendre 4 temps plein. À 40% de service client, ça me semble plutôt correct. Avec la sélection, embaucher le candidat. Embaucher le candidat. Ok. Employer au moins 10 personnes. Bon, bah, il est content. On a les balayeurs. Ils sont formés? Ah, non, ok, ils sont formés dans 45 minutes. Bon, c'est parfait, ça. C'est plutôt cool. Ok, alors attendez, on va se diriger du côté du magasin. Pour faire les choses, on va regarder ça ensemble. Sympa ce petit groupe de rock là, on dirait du rock. Aïe, du rock des années, je sais pas, 2000, 2000, 2005. Est-ce qu'on va avoir de la place? Pas, bien sûr, on n'aura pas de place. Bon, on va se mettre là en face. Super. Je suis pas obligé. Hein. Ah, je sais pas pourquoi j'ai eu du bonheur là. Objectif personnel atteint. Ok, d'accord. Je suis pas obligé de venir là, mais ça sera plus simple de montrer les choses. Allez, on recrute. Donc, on a 4 employés qui ne sont pas affectés. Hop là. Donc, on va leur mettre un uniforme utilitaire pour l'instant. On définira peut-être d'autres uniformes plus tard. Ce serait bien qu'on ait un peu plus de un peu plus de personnalisation de ce côté-là aussi. Voilà. Est-ce que attribuer. Ils sont déjà affectés à l'entreprise. Aucune affectation. Ah oui, c'est ça. Il faut que je fasse le planning, tout simplement. Alors, planning. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à envisager les choses. Donc on a deux caisses à faire tourner en même temps. En sachant que, en vérifiant plus tard, en vérifiant le nombre de clients à l'heure, on pourra ajuster et peut-être mettre qu'une seule caisse, genre le matin ou le soir, des choses comme ça à ajuster, mais on verra bien. Donc, pas d'horaire de nuit pour les Nox. Pas d'horaire de nettoyage pour Josie, mais ça, elle n'aura pas de nettoyage. Environnement de travail paisible. Donc ça, c'est, voilà, environnement de travail paisible, si je ne me trompe pas, ça va être le fait d'être à 50% de bonheur pour nous. Donc ça, c'est très important. Et pas d'horaire d'après-midi. Ok. Si vous voulez savoir les horaires d'après-midi, à quoi ça correspond, vous allez sur. Hey, top! Ah, le temps. Ah, bah attendez, le temps défile encore. Alors, type d'employé. C'est pas type d'employé, c'est management RH.
aperçu des demandes. Exigences en matière de planning, et là vous voyez, les exigences se trouvent ici. Donc pas d'horaire d'après-midi, c'est pas entre 14 et 16 heures, ok. Le soir c'est entre 18 et 22, et de nuit c'est de 22 à 4 heures. Ok. Donc ça c'est à prendre en compte. Donc Lennox, lui, c'est pas d'horaire de nuit. Donc, on a dit de 22 à 4 heures, je crois, c'est ça, hein? De nuit, de 22 à 4 heures, c'est ça. Donc, bah, on va faire en sorte qu'il travaille pas. Donc, on va pas, pour l'instant, avec 4 employés, on va pas pouvoir ouvrir toute la semaine. Donc, on va pas ouvrir le lundi. Et on va se dire qu'on n'ouvre pas le mardi non plus. Donc, Lennox, pas de la nuit. Donc, toi, si possible, on te mettrait plutôt ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Donc on va les faire bosser 8 heures. Ouais, ça peut être pas mal. 8 heures sur 6 jours, en fait. On va faire comme ça. 48 heures, voilà. Pour quelqu'un qui veut être à temps plein, c'est parfait. Toi, pas d'horaire de nettoyage. Donc toi, t'es pas exigeant, donc on va pouvoir te mettre certainement ici. 48 heures aussi. Toi, environnement de travail paisible. Et toi, tu veux pas d'après-midi. Ah, toi, tu vas être un peu plus chiant, toi, par contre. Donc lui, il peut commencer... Ah, commencer à 16 heures, il me semble. Ah, ça colle, hop là. Parfait. Qu'est-ce que vous en dites? Donc là, on a les deux caisses qui tournent constamment de 8h à minuit. 6 jours sur 7. Ah, bah en fait, je vais pas avoir besoin de beaucoup plus de candidats, c'est cool ça. Et par contre, si je me trompe pas, on a eu, hop là, ils sont où? Non, ils sont pas là, ils sont ici. Les deux balayeurs, donc Anna Beavers, uniforme utilitaire, c'est bon, on va te mettre sur McCoyd. On va gérer tes horaires, t'es où? T'es là. Donc à temps plein. À temps plein, c'est bien ça. Donc on va la mettre sur 6 jours. Ah, quoique. Ouais, on va regarder. Donc on va déjà faire travailler ici. Un petit peu avant l'ouverture. Alors, quelque chose à prendre en compte pour les balayeurs. C'est que eux, leurs horaires, vous voyez, là, sur le jour qui est fermé. Leurs horaires. Voilà, si je clique. Ah non. Oh. Ok. Normalement, les horaires sur les jours là, même s'ils travaillent, enfin même si l'entreprise est fermée, les balayeurs viennent travailler. Là, vous voyez, je viens de supprimer et on est toujours à 18h. Ok, bon, ça a été changé. Et donc, on va vouloir lui rajouter encore quelques heures. Ah ben, faut que je mette quand même tous les jours. On va lui mettre 3h ici. On fait 36. Est-ce qu'on peut lui rajouter genre 2h là? En gros, on va avoir, ouais, 48 heures. Bon, en gros, on va avoir un balayeur constamment. On peut peut-être décaler ça ici. Ça là. On va voir. Est-ce que ça suffira? J'avoue que je ne sais pas trop avec, avec les mises à jour au final. On va tenter comme ça. Et du coup, je pense que si on est bon, comptage des stocks, on n'a pas énormément de burgers, pas énormément de canettes de soda. Ok. Mais on peut quand même ouvrir. Donc, on a les employés. C'est quoi ça? Ça, c'est pour nous dire que tous les candidats... Ouais, c'est ça. Tous les candidats sont arrivés. Ça. Ok, on a encore toutes les propositions. Faudra que j'étudie ça, mais ça, je peux peut-être le faire en vidéo. Ça y est, on a des clients. On va juste rester voir un petit peu leur demande. Oh, bah, il y a beaucoup de clients. Alors, chose aussi que je n'ai pas expliqué, pas montré et tout. On a possibilité, si je me trompe pas, de. Alors, attendez, comment on fait? C'est ça. Donc, de gérer la file d'attente. Quoi faire comme ça? C'est pas comme ça que je dois faire. Clic droit. Non, c'est pas clic droit. Alors, comment on fait? On va réinitialiser la file d'attente. On va la resélectionner, si ça veut bien. Hop là. C'est quoi? C'est sur F? Ouais, c'est ça. Ajouter une position à la file. Donc, hop, on la met là. F. Et on va faire comme ça. Comme ça, ça va augmenter. Enfin, ouais. Il y aura la file d'attente pourra être un petit peu plus longue. On va faire pareil ici. Donc, on va la raccourcir un tout petit peu. Donc, F. Et hop là. Ok, donc logiquement on est bon. On laisse couler un petit peu le temps. On va juste regarder, ouais, comme je disais, les critiques clients. Alors ça, vous voyez, tout à l'heure on l'avait pas vu. Mais des clients prennent bien emporté du coup. En même temps, vu l'afflux de clients, je pourrais pas tout recevoir à table. Hein. Bon, il n'y a pas de plainte particulière. Par contre, il va y avoir des plaintes sur le stockage, mais c'est pas très grave, j'irai en chercher hors vidéo. Oui, quand je vois la quantité de clients, effectivement, ça part très très vite. Alors les canettes, ça va, ça tient, mais ici, j'ai combien de burgers qui restent là? Inventaire, 225 burgers. Bon, après, il est 17h45, on va espérer... Ah, je ne trouve pas de place pour m'asseoir. D'accord, donc ça reste quand même un prérequis.
Ah oui. Ah oui. Ah oui, les poubelles aussi, effectivement. Ouais, ça va mal tourner cette histoire en fait. Bon, bah écoutez, on va, l'épisode est un peu long. On va s'arrêter là. Je vous propose qu'au prochain épisode, bah, je vais pas laisser passer beaucoup de temps, je pense, parce que ça va être compliqué. On va mettre en place ce qu'il faut. On va rajouter des tables, des poubelles, histoire que les gens soient contents. Si j'ai un petit peu d'argent, ça pourrait être intéressant aussi de rajouter des produits. Comme je le rappelle, on va regarder type d'entreprise. Restauration rapide, on a quand même possibilité de vendre, voyez, des frites, hot dog, crème glacée, kebab, pizza, salade et canette de soda. Donc peut-être que vendre la totalité de ces produits, c'est trop, parce qu'en fait, au final, pour chaque commande, nos salariés vont devoir aller à droite, à gauche, et ça va mettre plus de temps à accomplir les commandes. Donc ça, on va peut-être pas prendre tout, mais ça pourrait être intéressant de chercher un de ces produits-là. Bah, je sais que les salades, par exemple, se vendent assez cher. Ajouter un produit à forte valeur du moins à forte valeur marchande, tel que salade ou pizza, ça pourrait être plutôt pas mal. Parce que là, on vend des produits à 4 balles pour chaque commande, c'est sympa, mais vendre un truc à 15 balles, ça peut vite décupler le chiffre d'affaires du magasin. Voilà. Bon, je vous propose ça pour le prochain épisode. Évolution de ce magasin, plus on va commencer l'ouverture du siège social. Si vous avez apprécié cet épisode, mettez un pouce vers le haut. Si vous avez détesté, mettez un pouce vers le bas. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre des critiques si besoin. Je les prends toujours avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Tchuss!